J'ai écrit L'Orange mécanique en 1961. Autant dire en des temps fort lointains. Certains ont été tentés de considérer ce roman comme une œuvre prophétique. Please welcome, please, the father of the Clockwork Orange, a Clockwork Orange, Mr. Anthony Burgess. Anthony Burgess is, of course, the author of A Clockwork Orange, a fantasy of sadism and psychological manipulation, which, notwithstanding the sex and the gore, or who knows, perhaps in part because of it, got the New York Film Critics Award as the best movie of last year. L'Orange Mécanique est un roman extrêmement politique. Political novella. We were seeing all the signs. Le roman est devenu dans l'imaginaire collectif une sorte d'exagération cartoonesque de notre futur. Le livre et le film sont tous les deux incompris et la plupart des gens ne se souviennent que de sa première partie, la plus violente. Moins d'un an après la sortie du film, Burgess a décidé de publier un nouveau manuscrit intitulé The Clockwork Condition. Le manuscrit a été découvert après sa mort. C'est une sorte de collage, de puzzle. Burgess y défend son livre et le film face aux accusations dont ils font l'objet. J'ai été appelé à donner la véritable signification du livre et du film. Et mon explication a été plus ou moins ce qui va suivre.